Misery is all we know lately. Saturdays are all the same. Bienvenue à bord du X135i. Donc, votre expérience va commencer ici. Là, ce qu'on retrouve, un volant multifonction. Ça, c'est un c'est de série dans tous nos véhicules. Derrière, vous allez retrouver de série des capteurs de lumière ainsi que des capteurs de bruit. Vous allez retrouver un volant multifonction. Actuellement, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le volant de type M qui vient avec l'option M Sport. On y retrouve aussi le cruise control, donc il est très facile d'utilisation par simple pression. Il est activé, donc j'accélère vers l'avant, je décélère vers l'arrière, tout simplement. Pour le mettre à off, je donne comme si je donnais un petit coup de clé. Donc je vais vous présenter la clé. La clé, comme vous la voyez, on a trois boutons, ouverture, fermeture, ouverture du coffre. Cette clé est dite intelligente parce qu'elle va enregistrer toutes les données du véhicule. Aussi bien le millage que les erreurs, que les manuels fonctionnent qui peuvent avoir lieu ou qui peuvent arriver. Donc, et puis on aimerait ça évacuer l'air chaud plus rapidement de son véhicule. Donc pour ça, par simple pression, on va faire comme si l'auto était verrouillé. On va faire une fois, deux fois, puis en gardant la clé, la main, le doigt appuyé, excusez-moi, plus longtemps sur la clé, on va pouvoir ouvrir les vitres. Ainsi que le toit ouvrant. Donc ce qui va permettre à cet air chaud là de s'évacuer plus facilement. Donc quand vous allez rentrer dans votre véhicule, il va être beaucoup plus confortable. Sur le bras gauche, au niveau du bras des lumières, on remarque un petit bouton baissé. Donc qui signifie en bord computer, l'ordinateur de bord. Franchir 74 km avec les pleins. Ensuite de ça, on peut voir aussi la consommation moyenne. Si je garde mon doigt appuyé plus longtemps, celui-ci se met à zéro. On va retrouver une petite extension ici pour les bancs sport que l'on retrouve dans le Sport Package ou dans le M Sport Package. Au niveau, pour ceux qui aiment boire des breuvages en conduisant, vous avez possibilité de deux supports à verre, dont un qui est amovible. On trouve également de série un climate control, donc dual zone, donc c'est-à-dire que chacun contrôle sa zone. Donc si monsieur ou madame veut 20,5 degrés de son bord et que le passager lui en veut 28, ça va être son choix. En option, on a un tapis de coffre, donc en plastique, pour ceux qui font des activités d'hiver. On est en position 40-20-40, donc le vent est, la partie du milieu est affaissée. Donc pour mettre des skis, de parcasse, un sac de golf, pour ce genre, vous avez largement l'espace. Il n'y a pas de roue de secours dans ce véhicule, vous pouvez le constater par vous-même. Donc vous avez ce qu'on appelle des rênes flats. En fait, c'est une technologie, comme le nom l'indique, vous pouvez rouler sur votre plat. C'est une membrane en métal qui fait tout le tour du pneu, qui est assez résistante pour supporter le poids de l'auto. Ils sont son autonomie, c'est 80 km/h maximum. Et puis, c'est la distance que vous pouvez parcourir, qui est de 150 km. On voit le système d'ancrage pour les sièges d'enfant. Donc là, on en a positionné un dans le véhicule. Donc ici, en démonstration, on a mis le siège d'appoint. Donc, vous voyez l'espace que votre enfant aurait. Ensuite de ça, pour sa sécurité au niveau de la porte, on y retrouve un safe, baby safe. Donc, on peut mettre un...